MARC Foundation conducts their fifth edition of MARC Africa Asia Luminary under the patronage of His Excellency the President of Senegal, Mr. Macky Sall. Dr. Rasha Kellage, CEO of MARC Foundation and chairperson of the conference, welcomed the 10 African First Ladies, 15 Ministers of Health, and more than 1,000 healthcare providers and policymakers from 58 countries to open the sessions with the aim to improve access to quality healthcare solutions in the two continents. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ma chère sœur Mariam Faye, Première Dame du Sénégal, mes chères sœurs Première Dame, Mesdames et Messieurs les honorables ministres, Monsieur le Président de Merck, Madame la Directrice exécutive de la Fondation Merck, Présidente de la campagne Merck Mordon et Moda, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, Mesdames, Messieurs, les professionnels et experts du secteur de la santé, distingués invités à vos grades, titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi de participer à cette cinquième édition de Merck Africa Asia Luminary. Cette rencontre revêt une importance particulière en ce que nous célébrerons par la même occasion le 350e anniversaire de la société Merck et la première année de lancement de la campagne Merck More Than a Mother et l'anniversaire de la fondation Merck. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, ainsi que son épouse, ma sœur Mariam Faye Sall, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé à moi-même ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne depuis notre arrivée dans cette belle ville de Dakar. Merci pour votre hospitalité et pour l'opportunité que vous m'offrez de vous transmettre les salutations fraternelles du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, à la lecture de tous les thèmes qui seront débattus lors des panels. Il m'a chargé de vous témoigner tous ses encouragements et ses félicitations pour la prise en compte de ces sujets certes sensibles tels que l'infertilité, mais que nous devons néanmoins prendre en compte pour le bien-être de nos populations. Ma reconnaissance va également à l'endroit de Monsieur Frank Stangenberg Haverkamp, président de Merck, et Dr. Rasha Kellage, directrice exécutive de la Fondation Merck et présidente de la campagne Merck More Than a Mother, pour tous les efforts qu'ils ont fournis afin que cette rencontre soit une réussite. Mesdames, Messieurs, comme l'ont indiqué mes sœurs Premières Dames qui m'ont précédée, rendons un hommage mérité à l'entreprise Merck qui célèbre aujourd'hui son 350e anniversaire. Sa longue expérience dans l'industrie pharmaceutique et chimique fait d'elle une référence et un acteur essentiel de la recherche et de l'innovation. L'année dernière, à cette même période, j'ai eu le plaisir de participer au lancement de la campagne Merck More Than a Mother, organisée par la Fondation Merck en Égypte. Une initiative louable qui a pour vocation de soutenir 30 pays d'Afrique et d'Asie en matière de santé principalement. Malgré le taux de fécondité élevé dans mon pays, le Niger, certaines femmes, certaines familles souffrent de l'infertilité. Il n'est pas nécessaire de vous dire que dans nos sociétés, ce phénomène est vécu comme un drame. En accompagnant ces femmes, ces familles fréquemment victimes d'injustices, d'exclusion, d'humiliations diverses et même de moqueries, nous ne leur faisons pas une faveur. Nous rétablissons l'équité, la morale, la justice sociale. C'est un devoir pour nous de les aider en tant que Première Dame, mais d'abord et surtout en tant que femme, en tant que mère. C'est pour toutes ces raisons que j'ai accepté
d'être ambassadrice de la campagne Merck More Than a Mother au Niger, en ce qu'elle permet de conjuguer nos efforts et d'apporter notre soutien aux femmes faisant face à l'infertilité, en luttant contre leur stigmatisation, en améliorant leur accès à l'information, à l'éducation, aux soins de santé et aux activités génératrices de revenus. Aussi, je suis heureuse de voir tout ce que nous avons pu accomplir en si peu de temps dans le cadre de la campagne Merck More Than a Mother, lancée à Niamey le 2 mars 2018. À cette occasion, le président de la République, Issoufou Mahamadou, et moi-même avions tenu à rencontrer le président de Merck, M. Frank Stangenberg, ainsi que la directrice exécutive de la Fondation Merck, Dr. Racha Kelej. Cette visite dans mon pays a abouti à la signature d'un protocole d'accord entre la Fondation Merck et la Fondation Goury Vie Meilleure que j'ai l'honneur de présider. Il porte notamment sur 1. Garantir l'accès équitable aux soins de santé aux populations les plus défavorisées. 2. Lutter contre l'infertilité et la stigmatisation des femmes infertiles. 3. Collaborer dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques STEM. À ce propos, je tiens à remercier vivement Merck pour tout son soutien en faveur de l'éducation scientifique et l'autonomisation économique des femmes et des filles. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, le partenariat qui nous lie est vaste et en parfaite adéquation avec les objectifs visés par le programme de développement économique et social du Niger. Un des aspects les plus importants dans la mise en œuvre de notre partenariat concerne l'appui à la formation de nos spécialistes de santé. En effet, plusieurs médecins nigériens ont bénéficié de bourses de formation afin de se perfectionner dans divers domaines. À ce jour, 7 spécialistes ont été formés, dont 3 en embryologie, 3 en oncologie, 1 en diabétologie et bientôt d'autres en traitement de l'hypertension. Ceci permettra au ministère de la Santé publique d'avoir enfin ses premiers spécialistes de la fertilité et de l'oncologie au Niger. Nous avons d'ailleurs dans cette salle ces éminents experts nigériens qui ont bénéficié de ces bourses, ainsi que ceux qui ont été retenus pour les prochaines sessions. Je les invite à se lever afin de les reconnaître. Merci. Toutes mes félicitations à vous tous et je sais compter sur votre coopération et votre engagement pour vous mettre au service de ceux qui sont dans le besoin. C'est le lieu de féliciter tout particulièrement l'un de nos spécialistes nigériens en diabétologie, Dr. Hassan Adamu Nasser, récipiendaire du Diabetes Award Winner au titre de l'année 2017. Le Niger est fier de compter dans ses rangs des médecins de si grand talent. Mesdames, Messieurs, à travers la Fondation Goury Vie Meilleure, nous menons des actions concrètes dans différents domaines tels que la santé, l'éducation, l'environnement, mais aussi et surtout l'autonomisation des femmes et des filles, en particulier les plus défavorisées. Les femmes qui sont victimes de violences physiques et psychologiques aussi. Notre fondation appuie plusieurs programmes étatiques en faveur de la femme, en plus de ceux qu'elle a elle-même mis en œuvre. Il s'agit entre autres des programmes incitant un changement de comportement chez les hommes pour une vie familiale plus équitable et plus harmonieuse, avec une plus grande implication des hommes dans les questions liées à la santé de la reproduction et au partage des tâches au sein des ménages. Je peux citer entre autres le programme dénommé École des maris, soutenu par UNFPA Niger, et le programme dit Les maris champions, soutenu quant à lui par Care Niger. Pour le cas spécial de l'infertilité, la Fondation Goury Vie Meilleure a mis en place
un groupe de parole où les femmes échangent entre elles sur le sujet. Ceci permet de les éclairer sur la question et d'atténuer leur souffrance morale. Nous animons également un groupe de discussion à travers les réseaux sociaux sur WhatsApp et recevons régulièrement ces femmes dans nos locaux afin de leur redonner confiance en elles et concevoir avec chacune d'elles un projet de vie. Dans le cadre du projet pilote Merck Morzen Amanda, nous avons sélectionné 6 braves femmes souffrant d'infertilité. Kadi, Aïchatou, Biba, Zainabou, Fatih et Saadatou luttent actuellement pour survivre, délaissées par leur mari, maltraitées par leur coépouse, chacune a une histoire qui révolterait chacun d'entre nous. Je suis plus que fière de vous annoncer que grâce à cette campagne, elles ont lancé leur propre commerce avec les fonds qui ont été mis à leur disposition. Elles bénéficient également d'un suivi de 6 à 12 mois afin de s'assurer que leurs activités soient pérennes et leur permettent d'être financièrement autonomes. Mesdames, Messieurs, il ne s'agit là que de 6 femmes. Beaucoup d'autres vivent le martyre en silence et ont besoin de notre soutien. J'ose espérer que nos autres sœurs, premières dames, rejoindront le mouvement en devenant ambassadrices à leur tour dans leurs pays respectifs. Nous devons créer un changement de mentalité sur les questions de l'infertilité en Afrique. C'est pour cela que la prochaine étape consistant à former chaque année nos médias locaux les outillera pour mieux sensibiliser nos communautés est très important. Je crois fermement que les médias sont des partenaires privilégiés pour lutter contre la stigmatisation des femmes infertiles et sensibiliser le public sur les bonnes pratiques sanitaires en général. Mesdames, Messieurs, j'aimerais terminer mon propos en félicitant une fois de plus le groupe Merck et en les remerciant vivement pour tout leur soutien dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. J'ose espérer que toutes les actions énumérées plus tôt ne sont que le début d'un partenariat solide et à long terme avec la République du Niger. Vous pourrez toujours compter sur ma disponibilité pour l'atteinte de ces nobles objectifs. Vive la coopération internationale. Je vous remercie pour votre aimable attention.